à tous, ravi de vous retrouver pour NRTV fait sa culture. Au programme du jour, des artistes bien de chez nous, sur nos écrans et avec nous sur le plateau. Bernard Garou, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Avec vous, on voyagera jusqu'en Chine. C'est bien ça ? C'est bien ça. On est tout juste. Et puis, pour commencer les premiers kilomètres de cette émission, je vous propose de les faire avec le Cinéma Sud d'Helvetas. Le cinéma a terminé sa 6e édition à Nyon avec ses compagnons de route, les projectionnistes cyclistes. Qu'est-ce que c'est ? La réponse en images. Yes, on est contents. Mais qu'est-ce qu'on aime le vélo ! Wouhou ! Ce sont près de 700 km à vélo pour la tournée romande du Cinéma Sud d'Helvetas. L'une des particularités de ce cinéma itinérant, le matériel de projection transporté de ville en ville par deux cyclistes. Après avoir démarré en juin dernier à Porrentruy et traversé 19 villes, ces derniers sont finalement arrivés à Nyon. C'est 25 km entre Genève et Nyon. Et ça s'est plutôt bien passé, on a mis un peu de musique sur la route, on a fait ces kilomètres tranquillement, mais c'est vrai que du coup on était complètement mouillés, on a pédalé sous la pluie pour une bonne partie, et c'est vrai que quand on est sur la route, il y a aussi des bus qui passent, qui nous arrosent, etc. Donc au final, ouais, c'était cool. On aime bien rouler, de toute façon, on a tous cette passion du vélo en nous, et je crois qu'il fasse beau, pas beau, chaud, froid, etc., on est content d'être sur notre vélo et de faire ces kilomètres. Moi, par exemple, c'est un vieux vélo que j'ai récupéré de mon voisin, certes cadre en acier, donc hyper résistant, mais au final, on utilise juste cette petite pièce-là qui nous permet d'accrocher notre remorque. En résumé, 700 km dans les jambes et 50 kg dans la remorque, autant dire qu'il en faut dans les biscottos. On a quand même tous une expérience antérieure dans le monde du vélo, et du coup on a l'habitude de rouler, on roule quasi tous les jours, et du coup on a cette condition physique, donc au final c'est difficile, mais on arrive à faire ces journées. La première chose, c'est les panneaux solaires qui se calent sur notre petite charrette, et c'est grâce à ça en fait qu'on charge nos batteries pour pouvoir projeter les films le soir. Donc l'énergie qui est utilisée, c'est ça un peu la spécificité du projet Cinéma Sud, c'est que l'énergie utilisée, c'est de l'énergie solaire. Après, c'est clair, quand il fait pas très beau comme aujourd'hui, c'est plus dur, et puis on est obligé de charger au secteur, ou en tout cas une partie, parce que la charge, elle chute assez vite s'il fait pas beau. Et puis après, on a tout le matériel de projection, je peux te montrer un peu. On a une grosse enceinte pour la sono. Après, c'est tout, c'est du matériel basique de projection, c'est rien de très haut de gamme, très sophistiqué. Un projecteur, la sono, la batterie, et puis la toile, et puis après nos affaires personnelles aussi. À l'effort physique de la route s'ajoute également le programme quotidien, l'installation du matériel. On est un peu des chasseurs de soleil en fait, on doit s'assurer que les batteries chargent, donc on essaie de trouver les coins au soleil, de bien à chaque fois déplacer les panneaux dans le bon angle pour à chaque fois maximiser la prise d'énergie. Il faut vraiment qu'on puisse trouver une installation possible dans chaque spot, et c'est vrai qu'à certains moments on se retrouve à grimper dans des arbres à 6 mètres de haut pour essayer d'atteindre une petite branche et réussir à monter notre toile à cet endroit-là, ou alors on est contre un mur où il n'y a pas forcément grand-chose, donc il faut aller chercher d'autres ancrages. Enfin, c'est toujours un peu à l'improviste comme ça. Ouais. C'est ça aussi qui est chouette, c'est qu'on doit vraiment s'adapter un peu aux différents lieux, et ce qui rend en fait chaque étape un petit peu unique, donc de voir même le même film qu'on le voit à Sion, où on est à la place du château avec un magnifique château illuminé, ou bien à Nyon au bord du lac normalement quand il fait beau, ça permet de donner un peu une émotion différente pour chaque endroit. Autant d'éléments qui donnent forcément des anecdotes à raconter. Une grosse chute à Lausanne, en plein milieu de Lausanne, parce qu'il pleuvait justement, on était en descente et le vélo a dérapé, je me suis retrouvé à plat ventre sur la route en train de glisser à plat ventre comme un pingouin, et avec la charrette qui me venait dessus derrière, donc c'était vraiment un peu le scénario catastrophe. Et c'est vrai que voilà, on a quand même pas mal de poids, et dès que ça glisse, on est vite par terre, ça peut être assez dangereux, mais au final tout s'est bien passé, pas eu de problème. Une histoire qui finit bien, les invités au sec, les garçons à l'année prochaine.
L'artiste peintre plasticien Bernard Garraud est invité pour représenter la Suisse à la 7e Biennale internationale de Chine qui se déroulera à Pékin, du 24 septembre au 15 octobre. Souvenez-vous, nous l'avions rencontré il y a quelques mois dans son atelier et puis lors de son exposition Déflagration à l'espace Arlot de Lausanne. Regardez. Déflagration fait voler en éclats le récit linéaire de quatre villes. Au cours de ses voyages à Alexandrie, Reykjavik, Lisbonne ou Istanbul, Bernard Garraud laisse libre cours à une explosion volcanique de ses émotions. Au total, ce sont 15 années de travail et de peinture qui nous emmènent loin, trace d'une mémoire que nous avions presque oubliée. I'm a shooting star. La peinture, ce n'est pas de l'image. La peinture, c'est une émotion, c'est une structure, c'est un rythme, c'est une énergie et de la matière. Et cette matière, c'est celle qui me préoccupe le plus. Pour faire cette œuvre, j'ai été chercher des roches volcaniques au Stromboli, j'ai été prendre des sédiments marins, j'ai été récolter des bitumes pour pouvoir, par la nature, parler de la nature. Et la peau de mes toiles raconte dans sa structure même l'histoire des toiles. Une densité dans laquelle l'art devient matière à réflexion, car c'est peut-être aussi ça, Déflagration, un moment intense où tout semble basculer grâce à un art profond, viscéral et intuitif. Bernard, cette exposition il y a quelques mois et puis aujourd'hui, cette invitation jusqu'en Chine, comment vous avez réussi ce bond ? Écoutez, je pense que c'est le fruit du travail. C'est un honneur de pouvoir être sélectionné pour la Suisse à la Biennale de Pékin. C'est un travail thématique, c'est un travail de profondeur. Ma réflexion sur les autres civilisations a été probablement le déclencheur, parce que justement, la thématique de cette Biennale, qui a lieu tous les deux ans, et chaque fois à des thèmes différents, est justement la route de la soie et les civilisations du monde. Et le fait de m'intéresser à notre propre civilisation en regard d'autres, à voir la vulnérabilité de l'homme face à l'environnement, mais aussi face aux confrontations de civilisations, était un moteur pour porter candidature, parce qu'il fallait se faire connaître. Et j'ai répondu aux critères et voilà, j'ai appris que j'étais le seul représentant suisse à cette biennale. Et c'est un bel honneur. On va montrer l'œuvre qui a été sélectionnée. C'est « Mystère d'un huis clos oriental ». Une toile immense. Il y a quelque chose d'assez paradoxal finalement, parce que vous avez un discours engagé, quelque chose de fort. Représenter ça à la Chine, ce n'est pas un peu dangereux? Vous n'avez pas peur d'être privé finalement de votre liberté d'expression? Alors justement, c'est cette confrontation qui m'intéresse, c'est que je propose aussi un discours au symposium qui parle de cette liberté d'expression. Maintenant, je sais que mon texte est parti au comité de censure et j'attends leur réponse, si je peux le dire. Mais j'estime que l'art est cette liberté-là et je n'attaque ni le régime directement, même si je peux avoir des pensées personnelles là-dessus. Je préfère montrer l'art comme un outil universel de réflexion, d'ouverture. Et l'art ne reste que de l'art. C'est clair, ça peut provoquer des réactions, ça peut susciter des interrogations, c'est ce que je souhaite, plutôt des réflexions sur la liberté, mais je ne suis pas un réactionnaire qui prône la révolution directement. Mmh. Au contraire, je condamne toute violence, je condamne toute injustice et je mets le doigt sur cette vulnérabilité de l'homme, justement, face à des régimes politiques. Quittons justement cette vulnérabilité en plein coup de l'actualité, l'ouragan Irma, donc comment est-ce que vous vous sentez au milieu de tout ça? Quel est votre rôle d'artiste? Je pense que le rôle de l'artiste, c'est de conscientiser, d'ouvrir les yeux, de porter une réflexion et de stimuler cette réflexion. Et même quand j'ai commencé le livre, il y a eu l'événement aussi des volcans en Islande qui ont empêché le trafic aérien de traverser l'Atlantique. Et aujourd'hui, c'est la confirmation que tout ce que j'essaie de dire depuis, mais que les géologues prédisent aussi, que les climatologues prédisent aussi, est complètement dans l'air du temps. Et je pense que c'est très important d'avoir un livre non seulement d'art, mais aussi de géologie, qui parle de ce bouleversement que la planète est en train de vivre, et que ce soit politique ou… Parce que du coup, vous compariez votre travail d'artiste à, je ne sais pas, un scientifique, un géologue? Moi, je pense qu'on fait partie des réflexions fondamentales de notre société, au même titre qu'un scientifique. D'ailleurs, il y a des liens à l'art. J'ai fait écrire des géologues, des archéologues. Et même durant l'exposition, j'avais une start-up de haute technologie qui montrait comment on pouvait pénétrer dans la matière par la technologie et ouvrir les yeux au public. Donc l'art est un vecteur et est un élément de connaissance,
par l'observation, par les réflexions, par les multiples stimulations émotionnelles, on arrive aussi à porter un savoir à notre planète et une connaissance. Et j'espère que la Suisse, qui est dans une zone de confort, de beauté absolue, sa vulnérabilité, c'est peut-être de ne pas être conscient que tout peut basculer d'un jour à l'autre. Quel visage de la Suisse, et plus précisément de Denion, vous souhaitez apporter jusqu'en Chine ? Alors, j'aimerais montrer que finalement la Suisse est le berceau de la Croix-Rouge, de beaucoup d'aides sociales, humanitaires dans le monde, et qu'on aimerait que tous les pays aient ce regard-là. C'est vrai que c'est notre aisance et notre confort qui nous permet de penser au-delà de nous-mêmes, et je pense que l'art est un moyen justement élevé, spirituel, d'amener une réflexion plus profonde sans heurter forcément peut-être un politicien. Il doit être beaucoup plus factuel, et moi par l'art je montre quelque chose qui a tendance à être beau, qui fait réfléchir, qui stimule, et ça ouvre à des interprétations. Est-ce que c'est forcément beau de parler, on parle quand même d'une décadence, qu'est-ce que la beauté? La beauté, ça peut être derrière un cri, ça peut être derrière une urgence. Je pense que c'est quelque chose de pulsionnel, de beaucoup plus complexe que juste quelque chose d'esthétique. Mmh. L'art doit aller au-delà de l'esthétique, doit aller vers l'émotion. Et pour moi, le beau, c'est l'émotion. Et c'est important, du coup, de pouvoir expliquer ce cheminement, alors, de pouvoir expliquer qu'est-ce qui est beau, finalement. Est-ce que vous n'avez pas l'impression de castrer aussi peut-être le public qui est dans cette lignée-là où tout est expliqué? Ah oui, il ne faut pas expliquer. Il faut donner des clés de lecture, il faut stimuler par des ouvertures, par des réflexions, mais il ne faut jamais expliquer une œuvre parce qu'on coupe la magie. L'œuvre doit rester ouverte à une forme d'interprétation. La couleur peut être déjà interprétée de manière différente selon les cultures, la forme, la structure, mais on ressent dans une œuvre d'art sa plasticité, son émotion, sa puissance. Et en fait, certaines œuvres heurtent et d'autres plaisent. Et ça, je travaille toujours pour ouvrir à cette universalité, à cette potentialité d'ouverture maximale plutôt que de fermer. Et je n'explique jamais mes œuvres, j'essaie de tourner autour de moi en montrant des processus, en montrant peut-être l'inspiration, mais ça reste là. Et après, à chacun d'être ouvert et libre d'interpréter comme il veut. C'est une occasion, on l'a dit, de représenter la Suisse et Nyon. Du coup, pourquoi pas avoir choisi de... On a du patrimoine culturel, matériel, des ruines qui sont là à Nyon. Pourquoi pas avoir choisi de réutiliser, faire créer une œuvre avec le matériel qui est ici et reprendre une œuvre qui existe déjà? Alors, comme la postulation s'est faite déjà au mois de février, j'ai vu les thèmes, donc j'étais complètement dans la ligne de conduite et ça m'a amené de présenter des toiles que j'avais déjà. J'ai pu en proposer trois, ils en ont choisi une. Et on est 120 pays, donc je pense qu'ils ont pris maximum trois œuvres par artiste et par pays. Donc c'est vraiment un bel honneur. Et je n'avais pas à ce moment-là le moyen et le choix de pouvoir faire un travail sur mesure pour la Biennale. Peut-être à une prochaine occasion, je pourrais, en sachant les thèmes en avance, essayer de développer quelque chose comme ça. Où est-ce qu'on pourra vous retrouver tout prochainement? Il y a ce livre, évidemment, qu'on peut retrouver dans les librairies. Alors, on est encore actuellement jusqu'au finissage de l'exposition à la galerie Art Dynastie à Genève. Le finissage, c'est le 16 septembre où je serai présent. C'est en vieille ville de Genève, 23 Grand Rue. Ensuite, il y aura au mois de novembre une exposition à Montreux, dans une galerie, Plexus Art Gallery au Palace, une toute petite galerie. Et par la suite, probablement, j'aurai le petit palais en face du Palace pendant 2 ans, qui sera peut-être un lieu où mes grandes œuvres pourront être présentées. D'autres projets s'ouvrent peut-être sur la Chine, peut-être sur New York par la suite, mais tout ça, c'est encore en préparation. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Et puis, on se réjouit du coup de suivre ce voyage avec vous jusqu'en Chine, Bernard. Merci d'avoir été avec nous. On reste dans l'univers de la couleur et de la peinture, mais dans un tout autre style. Cette fois-ci, Rita Mancisti marque les 30 ans de sa carrière avec son exposition Capitale. Elle nous dresse elle-même son portrait. C'est au son du jazz, au fond de son atelier à Coppet, que nous avons rencontré Rita Mancisti, une peintre à la patte douce et colorée. Alors la peinture, c'est une grande histoire de vie. C'est depuis toute petite, je faisais des concours de dessin pour enfants. Et puis à l'âge de 14 ans, j'ai fait mon premier tableau à l'acrylique. J'ai fait une maturité artistique, c'est la seule chose que j'ai réussi à obtenir comme accord auprès de mes parents. Ils n'étaient pas pour que je fasse les beaux-arts ni les arts déco. Mais ils m'ont dit, tu fais ta matu. Alors c'était un compromis, ils ont dit ok pour l'artistique. Et puis après, on sera d'accord que tu fasses une école de stylisme en Italie. Alors j'étais prête pour. Puis j'ai rencontré mon mari qui est italien, qui m'a dit, si t'as pas le passeport, tu vas être embêtée. Et j'ai été piégée.
Alors à partir de là, j'ai peint pour moi et puis j'ai fréquenté des ateliers d'artistes professionnels, dont un en particulier qui s'appelle Monsieur Mello, qui est à Carouge, qui m'a vraiment donné la technique de l'huile, mais surtout la lumière, le coup de lumière dans les tableaux. Et ça, ça a été vraiment une révélation. Ça, je voulais vous montrer, ça j'y tiens beaucoup, c'est comme une sculpture. C'est environ 12 ans de peinture où vous voyez l'huile qui s'est agglomérée, j'arrive presque plus à rentrer le pinceau. Et puis ça, c'est celle qui date d'il y a 2 ans, qui est déjà un peu plus ouverte. Je le garde, c'est fétiche. Moi, je pense qu'il y a environ 400 tableaux qui ont été faits dans l'atelier. Coppet, pour moi, ça restera le village où ma carrière d'artiste, ma vocation d'artiste a vraiment pris, s'est vraiment affirmé. J'utilise de moins en moins des paysages qui sont dans la nature, c'est-à-dire que j'ai rajouté mon imaginaire, j'ai rajouté les choses qui m'irritent parfois, toujours avec beaucoup de bienveillance. Il n'y a jamais de méchanceté dans les tableaux. Mais j'ose peut-être affirmer un peu plus mes points de vue à travers la peinture. Après 30 ans de peinture, l'artiste expose à l'espace Muranda de Nyon. C'est en notre compagnie qu'elle découvre pour la première fois ses tableaux suspendus. Ah, c'est super. Là, c'est une émotion. C'est la première fois que je suis dans une aussi grande galerie. Et puis de les voir tous au même endroit, tous ces tableaux qui normalement sont regroupés sur 20 mètres carrés. C'est vrai que ça donne une ampleur, ça donne un sentiment d'aboutissement qui est très chouette pour un artiste. Une série de mosaïques inspirées de voyages compose l'exposition Capitale. La ville de Nyon n'échappe pas au coup de pinceau de l'artiste, un univers imaginaire teinté de touches humoristiques. Ça reste toujours bienveillant, je le précise, mais voilà, c'est des petits clins d'œil à quelques travers politiques ou économiques du monde actuel. Des petites pointes d'ironie, et des fois c'est simplement des jeux de mots que je trouve amusants. Et j'essaye de les mettre en sorte que ce ne soit pas non plus trop évident, mais que les gens doivent chercher, trouver. Puis quand ils trouvent, en général, ça les fait sourire. Moi, j'ai trouvé un petit clin d'œil à NRTV, je crois. Oui. NRTV est représenté ici sous forme de tire-lire parce que ces dernières années n'ont pas été très très faciles pour l'émission et pour la chaîne. Donc en fait, on représente comme une tire-lire à la verticale avec la région, les communes, et puis on voit de temps en temps de l'argent qui descend dans la tire-lire, voilà, en espérant longue vie à NRTV, que cette façon-là sera quand même suffisante pour continuer à travailler et représenter la culture de la région et l'actualité. Voilà qui est dit, le message est peut-être passé, merci. Tous les autres sont à découvrir quant à eux jusqu'au 6 octobre à l'espace Muranda. Rendez-vous ce jeudi 7 septembre au vernissage en compagnie de l'artiste dès 17h. Et puis on reste avec les dates et les heures et l'agenda culturel. Les journées du patrimoine auront lieu ce week-end, les 9 et 10 septembre. Le thème de cette édition, héritage du pouvoir. À cette occasion, les musées seront libres et vous proposeront plusieurs activités. À la galerie Esquisse de Nyon, découvrez les peintures de Paul Carrard. Dès ce jeudi 7 septembre jusqu'au 1er octobre, le vernissage aura lieu le 14 septembre dès 16h. Quant à nous, vous le savez, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures culturelles. D'ici là, vous le savez, portez-vous bien. Salut. Au revoir. Merci.